amis, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre petit échange Convainc-moi qui nous invite ce matin au chapitre Société. Je vous l'ai dit à l'entame de ce numéro de l'émission. On va se rappeler au cours de cet échange les bons réflexes, les bons comportements à adopter en tant que convive, en tant qu'invité à une cérémonie, à une manifestation, à un buffet, hein, de quelque taille que ce soit au village, ici, dans un hôtel UP, dans un restaurant, pardon, UP ou autre, comment se comporter? C'est la question la plus simple, basique. Eh bien, tout un chacun de nous a goûté à l'exercice une fois. Nous nous sommes fait inviter par un ami dans un petit resto de la place et autres. Nous avons été, comme on se plaît à le faire, hein, au Bénin, hein, de manière antithétique, après les pleurs, après les singeries au cimetière et autres, eh bien, on échoue dans une place publique autour de bons plats, à discuter même, à oublier les pleurs d'il y a quelques minutes pour savourer de bons plats. En ce moment précis, comment devrons-nous nous comporter? Que faire à table en tant qu'invité? C'est la question principal. Bonjour à nouveau Laurent Roland Toninkès, bonjour Ojo Kikil. Bonjour Loris Freddy Davo. Et merci d'avoir fait tout le la plaisir route. Pour nous. Dalada pour Glodjibé, hein, on dira, hein, pour d'autres ce n'est qu'un pas, dira-t-on. Mais il fallait quand même affronter, hein, un tas de camions et d'autres choses. L'Éternel vous accompagnera toujours, sain et sauf, hein, sur cette tribune. Alors, je le disais tantôt, je nous invitais à un exercice à la limite banal, hein, simple, mais qui reste une leçon pour vous, pour moi et pour tout un chacun de nous, parce que nous sommes tous conviés, vous voyez à ma droite, hein, dans un style portnovien qui colle très bien, il me l'a rappelé tout à l'heure, au sujet du jour, à la thématique, la fête. Les fêtes, les festivités, les invitations, comment devons-nous agir? Je crois que c'est un sujet qui est d'actualité. Quand on regarde un peu ce qui se passe sous nos cieux ces derniers temps, et il faut y rappeler aux uns et aux autres qu'il faut avoir la bonne attitude quand on vous invite. Malheureusement, comme vous l'avez dit, parfois, c'est les mêmes personnes qui viennent de faire leur singerie au cimetière, qui pleurent l'être... L'être dit-on cher. Dit-on cher qui a disparu, qui vient encore... À en venir aux mains presque, hein, autour d'un plat. Et vous voyez, par exemple, il y a peut-être parfois où c'est le service libre. Ah. Et vous vous rendez compte que quand on dit table, première table d'abord, deuxième table d'abord, oui. Mais il y en a qui sont au niveau de la table, disent qu'ils pensent que s'ils ne se lèvent pas vite, c'est que tout finira de l'autre côté. Donc du coup, tout le monde se rue vers les tables où il faut servir. C'est une bêtise qu'on observe souvent. C'est un mauvais comportement. Et il y a parfois que vous avez comme l'impression que ces gens n'ont pas à manger chez eux. Et ça interpelle. Ou bien soit la même personne qui prend... je dirais, hein, le plat est tellement rempli, tout ce qu'il y a là à manger comme mets, il doit se servir tous ses mets, en manger suffisamment. Ceux-là ont une petite excuse. Ils se disent que voilà, au lieu de se lever de la table, je ne vous arrête pas, hein, Laurent, au lieu de quitter la table 10 et aller jusqu'au niveau des dames, pour se faire servir, que mieux vaut tout prendre en même temps. Vous savez que quand vous finissez ce que les autres appellent entrée, que moi je ne partage pas, quand vous finissez l'entrée, il faille quand même aborder les plats non, de résistance. Il n'y a pas d'excuses à ça. Non, tout donner. Cela perturbe certains. Non, qui, y a pas, qui ne ce veulent que, pas. Ce dont je parle, c'est quoi? C'est pas une question d'excuses. La même personne se lève, prend l'entrée, hors d'œuvre, avec du pain, vous le voyez dans un coin du plat, vous voyez de la pâte de cossette d'igname, avec du quincrain, de la friture, il prend ça. Dans le même plat, il prend du riz, avec un poulet, et dans le même plat, il prend du yablo avec des escargots, par exemple. C'est pour éviter les tours. Non, écoutez quand même. La même personne qui prend autant de mets en un seul lieu, c'est de ça qu'il est question. C'est une sorte de gourmandisme qui n'a pas... De boulimie. Je ne sais même pas comment elle a qualifié ça. Et je crois que c'est de ça qu'il est question. Ou vous voyez des gens, vous posez la question de savoir
Est-ce que dans son pays, dans sa maison, mais dans sa localité, on n'avait jamais, il n'avait jamais vu un tel buffet dans sa vie. Donc, c'est autant de choses. Moi, j'ai de la peine à voir ces trucs-là. Ça me dérange énormément. Ou c'est les mêmes personnes. Tu es venu peut-être donner une enveloppe de 2 000 ou 5 000 francs à la personne, mais c'est toi qui t'échines à boire pour 20 000 francs avant de te lever. C'est-à-dire que... Il est invité. Les bouteilles de boissons, quand vous regardez ce que lui-même, lui seul, il a pris, c'est que vous posez la question de savoir si dans son ventre, il y a un tonneau qui est en train de remplir. Donc, je crois que c'est des habitudes que les gens doivent pouvoir éviter parce que... ça n'éduque pas. Et quand vous faites ça, que tout le monde vous regarde, c'est peut-être un plaisir pour certains, mais je crois que c'est des choses à éviter. Ojo, Kekeli, voilà, Laurent vient d'évoquer quelques exemples de mauvais comportements. On ne fera pas qu'évoquer les mauvais comportements. On va en évoquer encore, mais après, on rappellera maintenant qu'est-ce qu'il faut pour corriger les 10 repas dans un même plat et autres. Merci beaucoup. Avant d'arriver là, je dirais tout simplement que en tant qu'invité, lorsqu'on vous invite quelque part, peut-être à un dîner, peut-être à une cérémonie ou autre, la première des choses, c'est d'être à l'heure. C'est d'être à l'heure. Parce que votre hôte a pris le temps de préparer votre arrivée. C'est si l'affaire, hein. Il y en a aussi où on va attendre sérieusement. Hein. Oui. Il y a deux heures, le fameux invitant. Mais vous, en tant qu'invité, vous devez être là à l'heure. Et si votre hôte a mis du retard à être prêt, ça, c'est son problème. Mais vous avez l'obligation d'être à l'heure. D'accord. Donc, vous supposez qu'il a déjà tout préparé avant votre arrivée. Première chose. Deuxième chose, lorsqu'on vous invite quelque part et vous êtes arrivé, n'allez pas vous asseoir sans qu'on vous ne vous donne l'autorisation, voilà, sans qu'on vous montre là où vous devez vous asseoir. Ah bon ? Oui. C'est ça. Sinon, vous allez essuyer une honte d'une minute à l'autre. Parce que quand vous venez et vous devez vous asseoir peut-être dans l'autre rangée. Vous êtes allé vous asseoir dans cette rangée et devant encore. Devant. Parce que vous considérez comme étant une personne invitée de marque. Soi-disant de marque. On vient de vous rappeler maintenant, que voilà. Monsieur, cette place est réservée pour Laurent. Pendant que tout le monde est déjà là, assis, la foule est déjà là, on va vous dire, monsieur, s'il vous plaît, c'est plutôt de l'autre côté, vous allez vous asseoir. Vous allez vous lever. Et quand ça arrive devant tout un monde, on devient tout petit. Il y en a même qui, dans cette condition, refusent de se lever et qui sont prêts à créer le scandale. C'est ça. Parce qu'ils ne veulent pas essuyer la honte. La deuxième chose, c'est ça. Il faut attendre que le directeur de festin, si c'est un festin, et vienne vous dire, monsieur, votre place, c'est à tel endroit. Et là, vous allez vous asseoir tranquille. L'autre chose encore, lorsqu'on vous invite quelque part et vous êtes arrivé, il ne faut pas faire comme si c'était chez vous. Qu'est-ce que ça dit ? Parce que si vous faites comme si c'était chez vous, vous n'allez plus être invité prochainement. La personne ne va pas vous le dire, mais vous n'allez plus être invité. Ça veut dire quoi ? Il y a des gens, quand on les invite, quand ils viennent sur les lieux, ils se promènent partout. C'est vrai. Ils se promènent partout. Oui. Oui. Quand on veut aller aux toilettes, on ne demande même pas. On va ouvrir une porte là et on découvre autre chose, etc. C'est vrai qu'il y a de ces... C'est pas bien. Il y a des invités suragités. Oui. Suragités. Mais qui passe même autour de toutes les tables pour montrer que lui, il est là. Voilà. Pour saluer tout le monde. Pour saluer tout le monde. Il y en a aussi qui bavardent plus que tout le monde. Au moment où vous n'avez peut-être pas envie. Je ne vous arrête pas. Non, mais c'est ça. Je vous laisse poursuivre. Donc, vous voyez, ce genre de comportement, votre hôte ne vous dira rien. Mais soyez sûr que vous ne serez plus invité. Vous ne bénéficierez plus de la carte d'invitation une autre fois. Non, mais ça, c'est ça. Même si vous savez là où se trouvent les toilettes, demandez. C'est où les toilettes, s'il vous plaît ? Demandez.
Même si vous savez que la marmite dans laquelle se trouve, même si c'est dans laquelle se trouve telle chose, demandez. Faites comme c'est plus courtois. Si vous ne comprenez rien ici. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, s'il s'agit d'une invitation Avant de poursuivre, vous savez que parfois, on a cette courtoisie de demander et que on est sur parfois l'arrogance des hôtesses, des hôtesses et autres qui parfois vous rappellent, mais vous ne voyez pas. Parfois, Quand les hôtesses en arrivent, il y en a des hôtesses un peu irritées. Parfois, quand vous en arrivez à voir des hôtesses irritées, c'est que vous-même, à un moment donné, vous avez posé un acte désobligeant. La plupart du temps, mais écoutez, la même personne qui vient, on vous dit, pour vous servir du riz, c'est le riz avec du poisson. D'accord? Si vous prenez poisson, vous ne pouvez pas prendre viande. D'accord? Mais vous avez trouvé la formule, vous avez réussi à les dribbler, vous avez pris le poisson et la viande. Vous êtes allé manger et vous revenez encore. Ils vont mal vous parler. Parce que vous les mettez en difficulté. Ça, c'est clair. Ce cas aussi est... Vous les mettez en difficulté. Donc, les hôtesses, c'est vrai qu'il y en a qui sont très indisciplinés. Parfois, parce que ça se croit tout permis. Mais je crois qu'il y a de ces invités aussi qui en abusent. Parce que lui seul, il va prendre... Parce qu'il y a une quantité de nourriture qui a été prévue. Et on sait qu'on a invité 100 personnes. Et pour les 100 personnes, on a fait un peu de légumes, un peu de riz. Pour dire, si tel ne prend pas du riz, c'est tellement il va prendre du légume avec la pâte. Mais vous venez, vous prenez le riz, vous prenez le hablo, vous prenez la pâte. Vous prenez. C'est à croire que vous êtes allergique à l'assimilation. Et vous prenez du bloc coton avec akasa, vous seul. Et vous, si ce que 3 personnes ou 4 personnes doivent prendre, vous seul, vous prenez ça. Donc, dans ces conditions, l'hôtesse va mal vous parler. Et toujours mal vous parler. Et si moi j'étais là, je vais l'encourager à mal vous parler. Parce que vous montrez que chez vous, vous venez peut-être pas manger et que c'est peut-être la seule première fois dans votre vie que vous voulez manger quelque chose de qualité. C'est une mentalité. On se dit. Comme on le dit, je ne vais pas manger ici et aller manger encore à la maison. C'est ceux qui n'en ont pas à la maison. Si ceux-ci en a vraiment à la maison de sérieux à ton goût, tu le prendrais même moins là-bas afin de pouvoir en prendre chez toi. Donc, l'autre chose qu'on doit faire lorsqu'on est invité quelque part, peut-être c'est un ami qui vous a invité, ou n'allez pas les mains vides. Ça veut dire quoi? On ne doit pas aller les mettre vite. Vous voulez parler des enveloppes? Non, pas forcément les enveloppes. Peut-être c'est un ami qui vous a invité et autres là, à un dîner par exemple. Vous, personnellement, vous pouvez prévoir quelque chose, peut-être une bouteille de vin. Oui. Juste pour faire une surprise. D'accord. Ou le dessert. Peut-être lui n'a pas prévu un dessert. Vous prévoyez ça. C'est pour accompagner. Mais c'est quand c'est entre amis, ça. Entre amis. Cela ne pourra pas s'appliquer à certains... Non, entre amis, parce que si un ami fête son anniversaire, justement, et que vous êtes invité, le premier geste utile, c'est d'avoir peut-être une bouteille de vin, ou bien une bouteille de whisky, ou bien pourquoi pas lui dire, écoute, le gâteau, c'est moi qui te l'offre. Voilà, c'est bien, à défaut c'est plus généreux. Oui, à défaut d'offrir une enveloppe ou un cadeau. Ça, c'est pour les... C'est un signe de solidarité, voilà. Ça renforce davantage l'amitié. Mais pour les réceptions, dans une certaine mesure, ça dépend de ces réceptions. Il faut nécessairement prévoir un cadeau. Parce que celui qui a organisé a dépensé de l'argent en partie. Pas nécessairement de l'argent, mais ne serait-ce qu'un cadeau peut-être symbolique. Et ça dépend aussi. Marquer l'événement. Ça dépend des exigences de celui qui vous invite. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, celui qui vous invite peut ne pas vouloir d'emballage. C'est vrai. Peut vous demander, voilà ce que je veux comme cadeau. Parce qu'aujourd'hui, on sait aussi, avec le temps de la vie, comment est-ce que les cadeaux constituent des problèmes, pour des gens plus tard. Donc, je crois que, comme il le dit, je crois qu'aujourd'hui, aller à une manifestation, soit vous y allez avec un cadeau, ou alors si vous allez là-bas, vous devez mieux vous comporter, plutôt que de faire le match vu. Et c'est vous qui savez peut-être boire peut-être 12 bouteilles de petites boissons, bière. Et c'est vous qui montrez que vous avez, mais vous êtes fort. Alors qu'en réalité, vous n'avez rien à mener pour soutenir la personne. Rien pour soutenir. Ou bien c'est sur le lieu de cérémonie, de festin là, qu'on montre que on connaît toute l'actualité du pays. Oui. Et c'est toi qui parles plus que tout le monde.
Alors que tu ne connais pas l'obéissance de tous ceux qui sont là. Au risque même d'arroser le repas des autres, de postillons, de salive et autres. C'est ça. Donc, il y a certaines choses qu'on doit véritablement suivre pour être mieux vu et être réinvité. Et être respecté. Et être respecté. Très important. L'autre chose, c'est lorsqu'on vous invite, ça ne se fait pas souvent, mais il faut essayer de faire une petite enquête sur la fonctionnalité de vie de la personne qui vous invite. Le mode de vie, son feeling. Oui, qu'est-ce qu'il aime souvent, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il ne faut pas aller se présenter là et devenir un invité désagréable. Donc si vous connaissez tout ça là, tout de suite, arriver là-bas... C'est important ce que vous évoquez, c'est vrai. Mais en dehors de ça aussi, moi je pense aussi que vous imaginez que quelqu'un qui est un chrétien qui organise une célébration, un mariage ou je ne sais quoi, et que vous venez avec vos tenues dépravées pour indisposer ses invités. On en voit surtout avec nos dames aujourd'hui, des tenues extrêmement dépravées, qui indisposent plus d'un. Ou bien c'est ceux-là, c'est elle qui vient, qui ne commence pas à chanter, exécuter des chansons pas possibles pour indisposer tous les invités. Donc, j'estime qu'à un moment donné... C'est là où l'importance des gros bras ou des leaders... oui, mais tu ne peux pas, vous ne pouvez pas en ce moment-là, en tant qu'organisateur ou bien autant sortir la personne de force. C'est là que ça vous indispose au point où vous ne savez pas comment dire, mais ça vous dérange. Et comme l'a dit Odio Kekeli, c'est que la prochaine fois, je ne t'invite pas. Parce que j'ai compris que tu as voulu saper ma manifestation. Donc, dans une certaine mesure, il faut que les gens comprennent que celui qui vous invite ne vous a pas invité chez vous. Il vous a invité chez lui. Et quand il vous invite chez lui, vous devez pouvoir faire attention et respecter ce qui se fait là. Les règles de la réception et ne pas l'indisposer. Parce que quand vous l'indisposez, non seulement vous l'indisposez lui seul, mais il y a de ces invités qu'il a appelés, que vous indisposez, et qui auront du mal à répondre à ces invitations plus tard, parce qu'ils se diront, mais si je vais dans ce milieu, il sera encore là. Donc, il y a autant de choses. Je crois que c'est suffisamment de choses sur lesquelles les Béninois doivent pouvoir revenir très important. Pour les manifestations. Quand on vous invite, sachez comment vous présenter. Et puis quand on vous invite quelque part, proposez parfois votre aide. Vous êtes là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En quoi puis-je vous aider? Ça, c'est des petits gestes. Hein? En toute discrétion, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'il y en a qui peuvent se lever pour dire je peux tout faire pour se faire voir, pour montrer à tout le monde que c'est lui qui maîtrise telle chose. Quoi. En toute discrétion, qu'est-ce que je peux vous faire? Je peux aller vous acheter de la glace, etc. etc. Et puis, il faut tout faire pour ne pas casser quelque chose avant de partir. Faut pas casser quelque chose avant de partir. Peut-être pas inadvertance. Vous pouvez cogner une table là, les bouteilles peuvent tomber et casser. Oui. C'est pas que vous êtes saoulé, mais cela arrive souvent quand on est plus seul. C'est ce que j'ai dit. Peut-être que vous n'êtes pas saoulé, mais vous cognez une table et les bouteilles sont tombées. Mais c'est que vous serez un invité désagréable après. C'est sûr qu'on ne va plus vous inviter. Donc, de petits gestes qu'on doit poser pour honorer cette invitation. Vous voyez? Donc, celui qui vous invite a une considération pour vous. Mais quand vous venez et que de ces petits détails-là, vous échappe, c'est que prochainement, vous ne serez plus invité. Il y a aussi le cas de ces invités qui, servis une ou deux fois, sont là peut-être à échanger entre eux. Vous avez souvent que les organisateurs passent prendre les nouvelles de leur audio, tu es là, ça va, vous avez été servi, vous désiriez prendre autre. Vous savez qu'il y en a qui plombent ou sabotent quelque peu les hôtesses, comme quoi ils n'en ont pas pris assez. Ça ne manque pas souvent, parce que, comme on l'a dit déjà dès l'entente de cette émission, c'est qu'il y en a qui viennent pour comme si ils n'ont jamais mangé chez eux et qui n'ont plus à manger chez eux quand ils vont quitter chez vous. Et donc, c'est ceux-là qui en arrivent à avoir de tels comportements. Malheureusement, quoique les hôtesses
pourrait dire plus tard, c'est que vous ne les comprenez, vous prendrez jamais, parce que c'est des gens très que vous respectez qui vous disent qu'ils n'ont pas été servis. C'est de ça qu'il y a question. Et quand souvent, le plus souvent, ce n'est même pas au niveau des nourritures que les gens se plaignent, c'est au niveau des boissons. Parce que, comme vous l'avez dit, ils finissent de manger, ils sont rassasiés, on leur donne peut-être une ou deux bouteilles de boissons, ils finissent de boire. Mais ils ne commencent pas à papoter, c'est là qu'ils doivent raconter leur enfance, raconter comment tel a eu tel détour avec telle femme à tel endroit. Et en ce moment, quand vous dites ça, c'est que le peu de boissons que vous avez pris, ça n'a plus d'effet, et ils veulent continuer à en prendre. Et donc, quand ils n'en trouvent pas, ils demandent peut-être aux ceux qui servent, et ceux-là disent non, on vous a déjà servi, ça passe. Mais eux, ils estiment que non, puisque dans leur club, ils ont l'habitude d'aller boire 4 à 5 bouteilles en un même lieu, pardon. C'est qu'ils estiment que là aussi, ils ont droit à 5, 6, 7 bouteilles de boissons. Et quand ils n'ont pas ça, ils estiment qu'ils ne sont pas bien servis. Je crois que c'est de mauvaises habitudes que les gens doivent pouvoir éviter. C'est-à-dire que quand vous allez à une réception, en temps normal, si c'est du vin, vous prenez du vin. Si c'est du champagne, vous prenez une coupe de champagne, ça vous suffit. Un verre de vin, ça vous suffit. Et au-delà de tout, si c'est des boissons, deux bières, ça, bouteille de bière au-delà, au plus, ça vous suffit déjà. Ou à défaut, si ça ne vous suffit pas, vous allez en prendre après. Ah, vous allez en prendre chez vous. Mais les gens estiment que quand ils viennent à une manifestation, et c'est peut-être que c'est dans notre culture, évidemment, parce que vous savez que dans certaines régions, quand il y a réception, on peut mettre sur la table de 4 personnes deux casiers de boissons. Et les gens pensent que, bon, oui, quand on va à une invitation, il faut boire jusqu'à tomber avant de pouvoir se rendre compte que vraiment la personne a bien organisé. Alors qu'en réalité, quand on dit une fête, c'est boire dans les normes, manger dans les normes et se retrouver sain et sauf chez lui, et retourner chez soi sain et sauf, plutôt que de se retourner peut-être transporté par d'autres personnes. C'est bien dommage. Je veux ajouter... J'ai pour vous d'autres questions. Allez-y. Je veux ajouter juste une chose. Et parfois, on peut vous inviter à un discours, à suivre un discours ou bien une conférence. Lorsque vous arrivez en retard, d'abord, vous ne devez pas être là en retard. Maintenant, lorsque, par la force des choses, vous êtes venu en retard, quelle attitude tenir? Il y en a qui, c'est quand ils sont venus en retard, c'est eux qui vont traverser toute la rangée, ils vont faire tout le couloir jusqu'à aller s'asseoir devant, avec leur paire de chaussures qui frappe le sol, vous voyez un peu. Donc, tout ça, là, ça qui anime. Qui anime. Et ça distrait tous ceux qui sont là. Et ça peut même perdre le fil de ce que l'orateur est en train de dire. Et quand vous venez en retard comme ça... Et là encore, vous n'avez pas ajouté parfois les senteurs désagréables et les mises vestimentaires. qui ouais, détournent l'attention de tous ceux qui sont là. Quand vous venez en retard... Restez derrière, faites signe à celui-là qui peut-être peut vous guider, diriger vers là où vous allez vous asseoir. Mais on vient, non, mais au fond, on s'exhibe. Le problème, c'est que quand vous êtes en retard, la meilleure option, c'est de s'asseoir d'abord derrière. Et c'est les organisateurs qui, compte tenu de votre rang social, qui vont envoyer quelqu'un vous chercher. Là, c'est plus galant. Et là, quand quelqu'un vient vous chercher, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez, mais c'est parce qu'on est venu vous chercher. Même si on vient vous chercher, ça sera peut-être à la pause de ce que l'autre est en train de dire. Oui. Pour ne pas perturber le discours. Voilà. Donc, mais vous venez, c'est vous qui voulez montrer que vous avez acheté une belle chaussure. C'est vous qui voulez montrer que vous avez une belle tenue, une nouvelle tenue. Non, pas vrai, c'est une nouvelle tenue. C'est même pareil pour les lieux de réception. C'est ça. Le monsieur, le couple, ils sont restés chez eux. C'est à 16h, ils sont restés chez eux jusqu'à 17h. Au moins, tout le monde mange et on organise. C'est en ce moment qu'ils doivent se faire voir, passer au milieu des tables pour aller s'asseoir, chercher de place devant, nécessairement pour aller s'asseoir devant, alors qu'il y a de place vide derrière. Voilà. Je crois que c'est des choses qu'il faut éviter. Vous êtes déjà en retard. Donc, je crois que c'est des choses que les gens doivent éviter nécessairement. Et aussi, vous avez dit les singeries. Après, moi, j'ai de la peine quand je vais à une réception. Il est rare que les gens me voient manger. Très rare. Quand je dois manger, c'est peut-être à peine. C'est vrai que là aussi, c'est mal apprécié. Oui, c'est mal apprécié. Mais moi, Que j'ai souvent fait l'exercice. Quand on me dit, par exemple, service libre. C'est exemple, très mal apprécié. L'une des choses que je déteste le plus, c'est service libre, me lever, aller prendre à manger. C'est-à-dire, devant la nourriture, on me voit en train de prendre à manger. Parfois, je préfère demander à quelqu'un, est-ce que tu peux me prendre un peu? Ou bien j'appelle le test, est-ce que vous pouvez me servir un peu? Parce que je.
trouve mal aller me faire les rangs, demander à manger et me servir, Et tout le monde regarde. Tellement tout fait. C'est pas le rang le problème. Mais les gens vous observent. Système, pour moi, j'ai de la peine. Système universitaire. Oui, parfois le rang est très long. Oui. Et donc, parfois on vous oriente presque. On demande que cette table-là attende. Oui, ça, voilà. Ça, il faut respecter les tables. C'est à respecter. Non, c'est parce que moi, les gens, quand parfois... Qu'il ne faille quand même intégrer non, le fait que certains acceptent venir à l'invitation, mais que décident de ne pas manger. Oui. Il me semble qu'il là, on a du mal à accepter. Oui. Parce qu'on pense que, soit s'il ne fait pas le con, s'il fait peut-être le trop intéressant ou le trop important. Mais quand même, je crois qu'on doit accepter. Parce que la même personne, la même personne que vous avez vue pleurer au cimetière très... De se traîner dans la poussière là-bas, pleurer, sauter, j'ai passé, reviens là, danser et comprendre le plat rempli de nourriture. C'est le seul détail que nous avons en commun que je ne comprendrai jamais dans ce pays. Parce que j'ai du mal à comprendre. C'est quel détail il y a ? Mais c'est ce qu'il évoque. ce que nous avons... Le fait qu'on puisse pleurer, c'est vrai, on ne va pas pleurer tout le temps. Non, mais d'accord. Non, et qu'on puisse encore aller presque se battre autour d'un plat. Non, il y a des pleurs. Quelque part de. Il y a des pleurs programmés. Hein, des pleurs programmés, improvisés, pour montrer que la personne disparue est très chère, etc. Alors que c'est juste de la comédie. De la comédie. il y a d'autres cas, Laurent Odjo-Kikili. Que faire ou comment se comporter? Vous savez qu'il y a de ces invitations un peu sélectes. Oui. Qui n'offrent pas de la bonbonce, comme on en a l'habitude dans nos rues, chaque samedi. C'est très sélect où l'organisateur vous offre, à la limite, des plats auxquels vous n'êtes pas habitué. Des plats des autres que vous savez. Comment se comporter en ce moment? Refuser ou s'y soumettre? Non, vous savez, par exemple, quand je prends l'ambassade de la Chine, quand ils vous invitent, par exemple, et qu'on vous offre des plats chinois, essayez d'identifier des beignets, par exemple, que pour vous manger facilement. Et on ne vous dit pas d'aller prendre. J'ai vu des gens, et même des gens de la presse, à des dîners des Chinois, et qui sont allés se servir des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils vont en dépôt de chez eux après. Qui ont du mal à manger et qui ont laissé ça dans les plats. C'est déjà pas bien, prendre une nourriture, de ne pas pouvoir terminer. C'est ça. Première chose, si vous ne pouvez pas manger une nourriture, ne la prenez pas pour la gaspiller. C'est pas bon. Et donc, au-delà de tout. Il y en a qui prennent pour essayer. On ne sait pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que ce n'est pas un lieu d'exercice. Ce n'est pas un lieu d'exercice. Vous allez à un restaurant, à un dîner, par exemple, des Chinois ou des Japonais. Et il y a toujours quelque chose que vous pouvez manger des beignets ou des crudités, des crevettes, des trucs que vous pouvez manger. Mais ne cherchez pas à aller prendre la viande qu'ils ont préparée avec leur sauce là. Alors, parce que vous êtes férus de la viande, vous voyez ça, vous devez être pour manger. Vous allez prendre ça, mais vous ne pouvez pas manger parce que le goût ne vous arrange pas, parce que ce n'est pas les mêmes épices que nous utilisons, qu'ils ont utilisées pour la plupart du temps. Donc je crois que à de telles invitations, faites toujours l'effort d'identifier au niveau des mets ce que vous pouvez aussi manger facilement. Et à un moment donné, si par exemple c'est l'organisateur principal, l'ambassadeur ou bien la personnalité qui vous invite à prendre tel plat pour dire c'est bon, oui, vous pouvez le prendre, mais prenez une petite portion, en toute petite proportion, et faites l'effort de manger ça pour lui faire plaisir. Juste ça, c'est délicat, mais remplir son plat et ne pas finir. Parce qu'on vous dit, même la personne vous dit, ah mais c'est bon, il faut prendre ça. Et puisque vous avez vu des morceaux de viande et puis l'automateur vous lui fait plaisir, vous remplissez votre plat et que vous ne mangez pas. S'il suit ça, il va s'énerver contre vous. Parce que vous n'avez pas apprécié ce qu'il vous a offert. Donc dans une certaine mesure, vous prenez juste une petite portion. Si ça vous agrée, vous avez bien mangé, vous pouvez aller chercher encore. Mais dans ce cas-ci, j'insiste là-dessus, identifiez toujours autour de la table, du buffet, il y a toujours des choses simples que vous pouvez prendre et manger, vous faire plaisir. À la limite de l'eau ou un jus de fruits. Vous vous contentez de votre jus de fruits tout le temps, de l'événement. Vous n'êtes pas obligé de manger ce qu'on vous offre. Vous voyez des gens, des invitations, c'est des cocktails, et puis ils finissent, on prend les papiers torchons là, on remplit de croissants, de comment vous appelez, de gâteaux, on remplit on remplit, et on met dans un sac rapidement d'abord, et puis c'est parfois observé dans notre corporation pour les reportages. Sais de quoi vous parlez. Donc on remplit ça, on met ça dans son sac, et après on va chercher encore, on mange, on remplit la gorge. Vous voyez un peu des gens qui sont en train de manger avec la bouche remplie, difficile de parler. Non, si c'est difficile de parler et ils le réalisent, c'est mieux.
c'est dans cet état qu'ils discutent encore. C'est dans cet état qu'ils peuvent, ils sont capables d'aller voir le directeur ou le ministre pour discuter avec lui, ou bien l'ambassadeur pour discuter avec lui. Et quand ils finissent, de manger cette partie, ils regardent à gauche et à droite, et puis ils sont encore au niveau de la table, ils remplissent encore. Je crois que c'est des attitudes à vraiment éviter, parce que gens vous suivent. Bien et sûr. Moi j'ai dit, je le dis, c'est-à-dire qu'il y a que parfois, quand je regarde ça, ça me désole et je me demande. Et je me dis, ceux-là, je ne peux pas les inviter à des activités, ce n'est pas possible, parce qu'ils vont mettre en difficulté. Ce que des gens sont encore dans la salle, doivent sortir pour venir manger, mais les premiers qui sortent là, à peine la moitié ou bien le quart, ils sortent, ils finissent déjà ce qui est là. Voilà. Moi, j'ai suivi un documentaire sur RFI. Le président François Hollande devrait recevoir le roi de Suède et la reine. Mais bref, quelque part, le chef de festin a dit aux serveurs et autres, là, dit, dans le lot, il y a deux ministres qui ne mangent pas de poisson. Qui ne mangent pas de poisson. Il faut leur servir telle chose. On lui est plein. Si au préalable, il n'y avait pas cette communication, ces informations, ces précisions, lorsque les gens seront là, ils seront servis comme tout le monde, mais non, ils ne pourront pas manger. Ils vont voir le plat, le plat sera devant eux, mais ils ne pourront pas. Donc la leçon, il faut aussi prendre en considération parfois, les préférences. Voilà, quand vous invitez certaines personnes, pas pour une grande si fête. Vous savez qu'il a une certaine obédience, voilà, qui ne touche pas à tel type de viande, ne lui en servez pas. C'est ça. Il y en a qui ne mangent peut-être pas de la viande de porc. Voilà. Il y en a qui ne mangent peut-être pas de l'escargot et autres là. Et parmi vos invités, il faut préalablement demander cela pour que ce que vous-même vous allez préparer ne soit pas gaspillé. Et aussi faire la part des choses, parce que vous voyez la même personne préparer la viande de porc et de mouton et puis les mains sur la même table. C'est une erreur. Parce que la même cuillère que l'autre prend pour servir la viande de mouton, il prend la même cuillère pour servir la viande de porc. Alors qu'il y a des gens qui ne mangent pas ça. J'ai vu des manifestations où, par exemple, la famille Dja a été invitée. La famille Dja, ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent rien. Voilà. Mais malheureusement, les gens ne s'informent pas, ne se sont pas informés. Voilà. Et les ont invités et se sont présentés gaillardement devant eux pour leur servir du riz avec du poisson ou de la viande, alors qu'ils n'en mangent pas. Donc, dans une certaine mesure, au-delà de tout, comme Odjoki qui le dit, parfois quand vous invitez quelqu'un, vous devez faire l'effort de connaître les préférences alimentaires de la personne et savoir quoi faire pour ne pas le choquer. C'est important. Et pour ne pas gaspiller ce que vous-même vous avez dépensé pour faire. Parce que ça veut dire que les réflexes sont des deux côtés. C'est des deux côtés. C'est vrai qu'on en a évoqué plus du côté des invités. Donc, l'organisateur aussi se doit de prendre en considération certains détails, certaines informations capitales pour réussir sa fête, sa cérémonie. Effectivement. Alors, Laurent Roland-Antonin Kies, Odjo Kekili, nous sommes presque au terme de cet échange. Vous savez, pour une fois, nous sommes écartés de la politique et tout ce que vous savez pour aborder un sujet, je l'ai dit, ordinaire, peut-être un peu trop simple, mais important. Très important. Important. C'est un sujet qui nous évite certaines hontes et certaines déconvenues en un certain lieu. Surtout aujourd'hui, avec l'avènement des portables Android et des réseaux sociaux, je crois que les gens doivent suffisamment faire attention. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la foule, qui ont leur portable allumé, caméra allumée, qui peuvent vous prendre pour vous embêter plus tard. Pas qu'ils peuvent, qu'ils font. Qu'ils font d'ailleurs même. Et c'est ça les extraits que nous avons sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des choses pour lesquelles il faut faire très attention. Faites très attention parce que vous ne savez pas qui a pu partager l'image, mais toujours est-il qu'on a vu. On n'a pas évoqué les vols d'ustensiles, les vols de matériel et autres. Il y en a qui construisent des châteaux dans leurs plats. On prend votre photo. Des montagnes de bouffe. Voilà, donc ceux qui volent viennent réellement, comme vous l'avez dit, pour voler les fourchettes. Il y en a qui viennent pour voler les verres et qui les mettent dans leur sac. Il y en a qui, carrément, c'est des bouteilles de vin qui prennent dans leur sac et qui partent avec ça. Je crois que c'est suffisamment. Et maintenant, pour les organisateurs aussi également,
Je crois que de plus en plus, il faut voir comment organiser. Au niveau des tables, si vous avez invité 100 personnes, essayez de numéroter les tables et de mettre sur chaque table les noms de ceux qui doivent s'asseoir là. Et pourquoi les orienter aussi via la carte d'invitation? Voilà, pour dire, voilà, vous êtes là, à il sait qu'il est à la table 10. Voilà. Si quelqu'un se met à la table 1 et qu'alors qu'en réalité, il est censé être sur la table 10, on n'aura pas de gêne à le lui dire parce que sur sa carte, il y a la table 10. Bon, ça peut lui échapper aussi. Non, mais non, attention, ça doit être. Avant de venir, lui-même doit, doit se préparer. On fait bien de le dire maintenant. Donc, à chaque invitation, il faut lire minutieusement cette carte d'invitation. Ouais, voici, il y a de ces précisions. Voilà. Et si la personne vous exige une mise vestimentaire. Même s'il y a pas de précision sur la carte, à l'entrée, celui qui est à l'entrée doit pouvoir vous orienter. Quand il vous dit allez vous asseoir sur la table 5, allez vous asseoir sur la table 5. Ne faites pas de débat parce que vous estimez que vous êtes parent proche de tel ou tel. Non. Et il faut respecter toutes les consignes relatives à l'organisation. Si la personne exige que ce soit en bomba, que ce soit en couleur de telle couleur, ben, il faut respecter. Oui. Si vous n'en avez pas, restez chez vous. Chez vous. C'est, c'est aussi banal que ça. C'est simple. C'est aussi simple. Bon, je crois que de plus en plus. Je crois que de plus en plus, ce qui est privilégié maintenant, c'est la couleur blanche. Hein, donc, c'est des tenues blanches. Il y en a qui cassent le code. Non, c'est des tenues blanches. Il y en a qui cassent le code. Ce qui vous veut dire, aujourd'hui, quand vous regardez un baignoire au moins, les baignoires au moins, chaque baignoire au moins une tenue blanche dans sa maison, parce qu'il sait qu'il peut être invité à telle ou telle manifestation, on va dire une tenue blanche. Et ça fait plus court et plus simple. C'est plus court et plus simple. On n'a plus les soucis d'achat de paille. Oui, voilà. Bon, on achète juste le tissu pour le coucher. Non, aujourd'hui, c'est les guipus qui sont à l'honneur et les lessies. C'est ça qui est à la donne, surtout la guipure. Tout le monde, chaque baignoire a au moins dans sa valise un guipure bien cousu pour toutes les manifestations. Oui, ça, mais ça facilite la vie, on ne sait jamais. Vous voyez la même personne sur 10 manifestations, c'est la même tenue. Oui, c'est parfois le chapeau qui change. Oui, Laurent, c'est mieux. Avant, il faut penser non seulement à l'enveloppe, mais il faut penser aussi au tissu. Maintenant, au moins, les anneaux du tissu sont passés de côté. On pense seulement à l'enveloppe. Merci infiniment à vous, chers amis, merci. Ce sont des réflexes simples, les réflexes ordinaires quand même qu'il nous faut. Je parlais des mises vestimentaires et on en trouve aussi. Tout le monde n'a pas les mêmes traits de vie, le même niveau de vie financier. Si vous n'en avez pas pour vous coudre ce qui est exigé, eh bien allez au tout au moins, même si vous êtes conscient de ce que vous cassez le code, rendez-vous au lieu, justement, mais propre. Il y en a qui viennent transpirants, presque inondés d'effluves, de toutes les senteurs que vous savez. Et quand l'invité vient se positionner, se placer à côté de vous et que vous êtes aussi invité, vous convenez avec moi que c'est tout un calvaire pour 1 à 2 heures. Ou à la limite, c'est vous qui écoutez votre invitation et vous partez. Et puis il y a aussi une petite chose à ajouter. Lorsqu'on fait des enveloppes, et il y en a qui veulent montrer que c'est eux qui ont donné une enveloppe vraiment colossale. Oui, on veut faire le pharo. Et des fois même, en remettant l'enveloppe, on se fait photographier. C'est pas bien. Votre hôte n'a pas forcément besoin de ça. Vous voyez? Et des fois même, quand vous voulez offrir une enveloppe, peut-être, vous pouvez lui faire l'enveloppe avant même le jour de la cérémonie. Ah, merci. Pour que la personne puisse au moins dépenser. Parce que la personne veut dépenser. Il peut c'est utiliser discret, ça. C'est beaucoup plus discret. Oui. C'est vrai. Ce qui est sûr, il y a de vos, certains de vos parents aussi qui viennent s'asseoir au même titre que vos invités et qui veulent exiger, qui ont des exigences au-delà de ce que les autres invités peuvent avoir. Je crois que c'est aussi des choses à éviter. Vraiment. Vous, ceux qui sont vos parents qui viennent s'asseoir doivent pouvoir corriger ce qui ne va pas, doivent pouvoir vous soutenir plutôt que aussi de s'asseoir pied sur pied et penser que bon, on doit les traiter comme ça. Et exiger mieux que ceux qui sont venus vous soutenir. Voilà. Merci, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui, rassurez-vous, on aura mille occasions pour y revenir à titre pédagogique, plaisir à l'éternel. Merci, très bonne journée à vous, Laurent Roland, Anthony Kess. Merci aussi. Bonne journée, bon retour à vous, Ojo Kekeli. Je rappelle que vous êtes journaliste. On a partagé la terminale ensemble, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. Ouais, vous oubliez qu'on a été. On a fait le même collège à une époque aussi ensemble. Uh-huh. Ah oui, c'est le sujet à la dernière, nous a vu. Même si Laurent était. Non, c'est bien. Plus mieux et plus gosse que ce qu'il faisait là maintenant. Non, mais j'étais un gringalet.